m'appelle Hakim Abdelaziz, j'ai 25 ans. Et là, on est dans la réception de ma salle de sport que j'ai repris il y a environ 2 ans. Mon parcours professionnel, j'ai fait mes études ici à Bruxelles. Donc, je suis né, je suis un petit Bruxellois. Et j'ai fait mes études et à la fin de mes études, j'ai beaucoup voyagé. Et comme j'ai fait du sport, je suis tombé très tôt dans le bain grâce à mon grand frère qui est 4e dan de karaté, Shotokan. Donc j'ai fait du sport, du karaté pour être plus précis, de mes 4 ans jusqu'à mes 17 ans. Et alors là, je me suis attaqué à la boxe. Je suis tombé amoureux de ce sport et j'ai voyagé dans tout le monde. J'ai fait toute l'Asie, un peu l'Europe du Sud et l'Afrique. Et quand je suis revenu, j'ai absolument voulu reprendre une salle de sport pour pouvoir partager ce qui m'est arrivé à moi-même, donc c'est-à-dire grâce au sport, toutes les personnes que j'ai rencontrées d'à travers le monde. Et c'est une superbe expérience que j'ai envie de partager. Le trajet et l'envie qui m'a donné envie de faire ce métier, si je peux appeler ça, puisque je donne plus que de mon temps, je donne aussi de ma personne, je m'investis dans ce que je fais. Ce qui m'a donné envie, c'est que j'ai grandi dans ce monde sportif. Et tous les obstacles que j'ai eus dans mon parcours, j'ai réussi à les surmonter grâce au sport et grâce à la discipline qu'on nous a inculquée et toute cette rigueur de toujours bien faire le travail, bien le finir quand on l'a commencé. Quand on va en compétition, c'est dans l'idéal finir premier ou deuxième ou d'avoir participé. Donc c'est une méthode de vie qu'il faut prendre pour tout ce qui se passe dans notre vie. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis patron ou prof ou quoi que ce soit. Je suis surtout quelqu'un qui a envie de partager. Je suis un frère pour celui qui a besoin d'un frère, un père pour celui qui a besoin d'un père, un coach pour quelqu'un qui a besoin d'un coach. Et alors, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes petits jeunes. Voilà, j'ai des jeunes de 4 jusqu'à 12 ans. Et puis, si on monte dans un autre sport, on en a de 12 jusqu'à 22. Et alors, c'est ce que j'essaye de transmettre. Donc, voir un peu leur suivi à l'école, comment ça se passe pour eux aussi en classe, comment ça se passe dans la rue. Et alors, on essaye de les encadrer au maximum, moi et mon équipe de coach qui sont qualifiés pour. On essaye de les mener à bien jusqu'à leur objectif, leur but, quoi. Devenir quelqu'un. J'adorerais pouvoir exercer le même métier que j'ai ici, c'est-à-dire encadrer des jeunes. Et alors, les encadrer, je suis ici dans un quartier populaire, Molenbeek, où il me tient encore plus à cœur d'aider des gens qui ont besoin d'être aidés. Alors au Maroc, ce serait avec un grand plaisir que j'irais aider nos jeunes à pouvoir s'extérioriser. On a plein de talents cachés, énormément de talents cachés au Maroc, que ce soit dans le kickboxing, que ce soit dans la boxe thaï, que ce soit dans le karaté, que ce soit dans le taekwondo. Ils ont énormément de noms reconnus et ce serait un plaisir de pouvoir les mener à bien à leur but. Pouvoir exporter les compétences marocaine de l'étranger au Maroc, c'est parfait, puisque la majorité des gens qui ont parfait quelque chose ici en Europe ou ailleurs dans le monde n'ont malheureusement que leurs compétences. Ils n'ont pas beaucoup de soutien et pas beaucoup de suivi dans leurs projets. Et alors ce serait super pour eux de pouvoir être soutenus et pouvoir retransmettre ce qu'ils ont appris dans leur propre pays. Qui est notre pays, malgré qu'on est belge, mais on reste attaché au Maroc de par nos origines, de par notre plaisir de nous y rendre. Et donc, c'est vraiment possible d'exporter tout le savoir-faire européen, marocain d'Europe au Maroc. Tout est un lien pour moi avec le Maroc. Mes parents, ma destination de vacances,
mes projets dans le futur. L'idée que j'ai du Maroc d'aujourd'hui n'est peut-être que l'idée que j'ai du Maroc d'aujourd'hui, puisque moi, pour moi, le Maroc, je l'ai connu sans autoroute ou avec une autoroute juste dans certaines villes. Là, maintenant, c'est nous, jeunes, qui profitons de ce Maroc que nos parents ont voulu construire. Nous, on en profite. On a des autoroutes qui font de Nador à Rabat en 5 heures et c'est super. Voilà l'image que j'ai du Maroc. C'est un Maroc qui avance, qui fait beaucoup pour nous et pour lui.